Bonjour tout le monde, ange médium des Balkans. Aujourd'hui, je vais vous filmer le message de mon guide Léonard. Parce que mon guide Léonard, c'est mon guide spirituel. C'était un défunt qui a vécu les dernières années de sa vie en Guadeloupe. Et donc, c'est Nicolas Germain Léonard. Vous pouvez le retrouver facilement sur Google. C'était un écrivain et un poète. Donc, il a envie d'écrire quelques mots par rapport à tout ce qui se passe actuellement dans le monde, notamment à des commentaires parfois pas très sympathiques. Mais là, pour cette fois-ci, ce qui l'a le plus touché, c'est un commentaire qui nous demandait si ça valait le coup de prier, puisque avec toutes ces années où l'humanité prie, les humains prient, les peuples prient, et à chaque fois, ça n'a pas empêché les guerres, ça n'a pas empêché les catastrophes, eh bien Léonard a envie d'écrire quelque chose concernant ce commentaire, et nous allons regarder en direct ce qu'il va nous écrire. Alors je vais essayer de tenir la caméra pour pas qu'elle tombe, et surtout on va voir ce qu'il a à nous dire, Léonard. Alors il faut peut-être que je coince, je sais pas comment je vais coincer le pied de ma table, mais bon, c'est pas grave. Allez Léonard, c'est parti, je te laisse écrire, je tiens le pied, le trépied, vas-y. Vas-y, je te laisse. Ah oui, d'accord, le stylo, il voulait pas écrire. Ok, merci Léonard. Donc, je vais vous lire en même temps. Hein. Je veux que vous sachiez, parce que je l'entends en même temps qu'il écrit, hein, que toutes vos prières sont entendues, que nous sommes mobilisés exceptionnellement depuis plusieurs mois pour venir plus bas et être à vos côtés pour vous aider à renverser les gouvernements qui, je change de feuille, excusez-moi, qui vous mettent en esclavage. L'esclavage, vous devez vous unir et vous révolter carrément contre les exacts actuelle de plusieurs pays où l'insécurité. Ok, l'insécurité domine et
Grandi, ok. Et ben voilà, la caméra est tombée, excusez-moi. Et grandi de plus en plus. Vous serez aidé. Non, doutez pas. Doutez pas. Et ensuite, vous serez récompensé de vos efforts. Les démons seront punis. Ils n'auront aucun répit ni sur terre ni chez nous. Ok. Alors, que veux-tu nous dire d'autre? Que veux-tu nous dire d'autre? Honte à ceux qui se taisent. Honte à ceux qui regardent sans agir. Honte à ceux qui ne font rien pour les autres. Et là, il s'est arrêté. Et il s'est arrêté parce qu'il voudrait dire des gros mots, mais il se retient. Et oui, là-haut aussi, on peut avoir envie de dire des gros mots. Et les torturés de ce monde vous serez punis pour votre inaction. Léonard, et il s'est énervé là, ça y est. Léonard s'est énervé. Merci Léonard. Voilà les petits loups. Voilà le message de Léonard. Et j'espère que de plus en plus de personnes vont bouger et vont faire en sorte de changer ce qui se passe. Et surtout, comme on nous le dit depuis 4 ans, désobéissance et action. Voilà, gros bisous à toutes et à tous et à bientôt.